Je vous salue Marie. Je salue l'église, Père de l'éternel. Père de l'éternel est avec toi. Pleine de grâce. Il y a quelque chose qui n'a jamais existé ici. Ça n'a jamais été fait. Après cela, cela n'a plus revenu encore pour ce faire. Amen. Ça a été dans la vie d'une personne. C'était entré dans la vie d'une personne. Être la vie d'une femme et une femme. Encore dans la vie d'une personne. Vivre pendant 9 mois. Et après un jour, elle a aussi des contractions. Elle a aussi des effets latéraux de les enfants. Comme toute femme qui était enceinte. Elle avait aussi ça. Elle a aussi des nausées. Elle a eu aussi des contractions pour accoucher. Ça tombait même la nuit. Elle a accouché. L'enfant était naturel. L'enfant était naturel. L'enfant qui était dans cet enfant n'était pas naturel. L'enfant pas de surnaturel. Avance. Il y a des choses. On ne peut pas vivre. La puissance et la main de Dieu. Et d'aller si on ne sait pas identifier le naturel et le surnaturel. Tu peux venir aussi à l'église. Être avec nous. Prier avec nous. Et tu vas aller voir. Parce qu'il concerne le surnaturel. Parce que le surnaturel, on s'est raconté avec. Marie était prête. Elle n'était pas l'unique vierge à ce moment. Elle n'était pas l'unique quelqu'un qui tenait Dieu à son époque. Et c'est lui qui a été visité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que dans le naturel, moi je ne peux pas me mettre devant vous. Amen. Je ne peux pas. Vous ne comprenez pas ce que quand je fais comme ça.